Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Morrowind. Donc, visitons ce petit tombeau. Hey, je sais que tu es là, mon ami. Tiens. Ouais, sans effet. Raté. Raté. Touché. J'ai rien dit. Tu m'as eu, mon petit coucou. Eh bien. Viens pour t'abranler. Souffle. Aïe. Comment oses-tu me donner une baffe? C'est un peu honteux de recevoir une baffe, quoi. Alors, tu peux faire de dos? Mais ce genre de lieu, c'est chiant, c'est que je peux pas vraiment dire si ça va marcher ou pas les flèches, parce que... Il y a que les monstres, j'allais dire, faits de chair et de sang, mais non, parce que justement, les squelettes n'ont pas de chair ni de sang, et ça marche, donc... Les monstres solides, voilà, parce que les fantômes, non, c'est pas solide. Bon, allez, on va sprinter un petit peu, sinon... Eh bah quand on parle du coucou toi. Ah oui, je t'achève, tiens, souffre. Oh, j'ai pas eu le temps de te tuer. Aïe. Putain, t'as une épée super longue, en fait. Aïe. Mais tu vois, coup. Dégage, son. Ah. Il fait mal. Bon, petit. C'est bien, tu rends mon truc. Mais j'ai l'impression que j'ai un petit souci niveau commande. Non, c'est pas ce bouton là, c'est là. Donc option, contrôle, courir, hop. C'est ça. Bah alors pourquoi j'arrivais pas? Ah oui. Parce que j'appuie ce bouton sprinter tout le temps, ça c'est cool, autant laisser comme ça là. Alors. Rituel de la mort des Gourus. Ouais, bon, pourquoi pas. Résistance feu, sac de toile, bon. C'était quoi? Personnalité, oui, merci. Bouquet de froid bradé, je m'en fous, ça c'est pour, c'est cool. Oui, vas-y. Soigne-moi. Ça marche. Alors, mon coco. Piégé. Je regarde où je. Ok. Bon, bah, on va ouvrir cette porte-là. Piégé. Donc, ça. Vas-y, envoie. Hop. Peut-être que je vise la serrure. Allez. Voilà. Salut. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Alors, ça me fait rire aussi, c'est j'ai largement le temps de changer. Bon, de changer mon arme. Alors qu'il m'a. Il est juste en face de moi. Attends, pause, je prends mon arme. Et tu fais mal, mon coco. Ah ouais, je peux faire dodo et ainsi augmenter mon niveau. C'est cool ça. J'adore monter mon niveau. Alors. Urne, on s'en branle, il y a toujours des trucs qui servent à rien. Ça c'est quoi? Riz de sel, sucre de lune, coffre piégé. Bon, on va désamorcer le piège, peut-être que j'aurai quelque chose d'intéressant cette fois, pas comme la dernière fois. Allez, vas-y, t'es presque. Allez, tu as désamorcé ce piège de merde? Ah, enfin? Putain. Ouais, bon, salut. Alors, je vais faire. Il peut pas faire de dos. Dans ce cas-là, je peux faire que ça. Oui, le soin magique. Quel bonheur. Quel bonheur de se soigner par la magie. Et pourquoi ils me disent qu'il y a des... J'en ai tué là. Il y a deux portes piégées. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas sur toi, donc je suis obligé de prendre ça. Taillou! J'aime qu'on s'y vende pas. Oui, je sais que je peux méditer, blablabla, ça s'entend plus tard. Piégé, donc on va désamorcer, peut-être que ça peut-être augmenter un talent. Peut-être que ça doit augmenter le talent sécurité aussi, ce genre de conneries. Sécurité, c'est parce que j'ai. Ah, ça fait que confirmer, c'est génial! Coffre petit. Ah non, c'était un coffre piégé. Non, on s'en branle. Y'a rien.
J'imagine quelques dalles, ouais. Tout ça. Alors, porte en bois, toc toc. Salut. Alors, tac tac tac. Oup, salut, ami. Tiens, 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 et tiens. Salut, t'es bon. T'as quelque chose d'intéressant sur toi? Oui, voilà. Gemme spirituelle ordinaire. C'est quoi ça? Popo, c'est la première fois que j'en vois, donc autant le prendre. Petit coffre, que dalle, évidemment. Donc, on va... Nya. Ben, pour après. On va déjà enlever le piège. Mais pourquoi tu tapes avec ton tes petites mains? Miaou. Voilà, piège est activé. Ensuite, on prend... Et... Voilà. Je me suis bien aussi, merde, c'est parti où? Voilà, toc toc, et j'ai un casque à la con. Non, tu mens, c'est fou. Ça me stresse d'entendre ces voix. Soigne-toi et augmente ton niveau. Ouais, Dibo 19. Rapidité, agilité et force. Merci, l'ami. Tadam, je suis trop bon. Ça fait plaisir de monter le niveau. Et un truc de fait. Alors, par où on passe, mon petit père, là? Voilà, j'ai tout visité. J'ai tout visité. Nickel, magnifique, sublime. Que demander de plus? Toc toc. Voilà. Oh, il fait jour en plus, c'est merveilleux. Il fait jour, mais putain de brume, mais il fait jour. Bon, ben, je suis désolé, mais on va nager. Hein. Yappi. Alala. Allez, cours! Et quel sprint? Magnifique! Ça va, c'était. Ciao! Je t'ai raté! Je t'ai raté! Aïe! 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 Dis comment? T'as vu ces mains? L'épée doit mère! Mais quelle puissance! Ah, il me fait attaquer par ce gros monstre maintenant. Je t'ai loupé, mais bon, pas grave. Hein. Salut! Ouais, je t'ai touché! Ouais, je t'ai tué! Aïe! Allez, t'es bientôt sur le sol! Allez, 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 il te foutra la pique magnifique! Ah, ça prend une bestiole de la merde. Ah, magnifique, tu remarques les chats. Brave petit. Si on peut dire que t'es petit. Ah, j'ai juste pensé que t'allais tuer pas vite. Souffre et meurt. Bon, bah, vu que j'ai tué ton mari, autant que tu es. Toi! Tiens, souffre! Allez! Tu l'as! Bordel de merde! Elle se rapproche! Elle se rapproche! Je t'ai eu! Ouais, précision 54, putain, ma précision augmente, c'est merveilleux! J'utilise tellement souvent mon arc maintenant pour dire d'augmenter un peu tous ses talents. Voilà. Eh bien, ceci étant fait, j'ai visité une bonne partie de la carte. Bon, je dis une bonne, mais j'ai encore un... je sens que ce playthrough est loin d'être terminé. Putain, tout ce qu'il y a encore à faire. Waouh, vu le temps que j'ai mis pour visiter juste ce coin-là, je vous raconte pas quand je vais visiter tout le truc, hein. Ok, bon, on va essayer de... Oh, Balmora, c'est loin. On va essayer d'y aller quand même, hein. Pourquoi je pars là, moi? Eh, ta, il doit bien y avoir un truc. Mais il y a un bateau, quelque chose pour y aller. Hein? On peut se servir des transports en commun. La 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 la. Tiens. C'est le temps que j'ai tué, ça. Alors. Ah, encore de la. Encore nager. J'aime pas nager. Plouf. Je suis en train de me faire taper dessus, moi. Mais tu... Et voilà. Ah, non, tu ne m'auras pas, voilà. Tu vais faire le tour. Et je vais prendre l'avance. La stratégie. De la stratégie. Aïe, mais il commence à me casser les couilles, ce... Aïe. Mais fous-moi la paix. Allez, allez. Ah, il m'a tapé, je suis revenu en arrière. Culé. Bon. Y a...
Il y avait un mec que je devais voir. Ah bah il est là. Regarde, regarde, cette fois je te montre. Ah, bordel. Allez. Mais c'est pas... Non, regarde. Mais t'as vu, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. J'avais dit que j'allais réussir à te le montrer, connard. Alors, il y a des marchands, des conneries ici. C'est quoi? Auberge, ouais, derrière c'est... Bon bah c'est une auberge aussi, oh, je vais peut-être vendre des... Doit bien voir des trucs intéressants dedans quoi. Salut! Alors, petit conseil, blablabla... Sort, qu'est-ce que tu vends comme sort? Touche à tout. Sanctuaire, main... Bon... Allez, je... Ah, j'ai juste cliqué et t'as acheté direct. Bon, ok, c'est bon, ça va voir. Fatigue, Axer, Base, Destruction. Pourquoi pas? Pour la rigolade, quoi. Ça peut toujours. Boule de feu. Morsure de froid. Voilà, j'ai acheté des sorts. Maintenant, t'as plus de sous, logiquement. Ah, merde. Oui, donc tu. Oh, tu vends. T'as plein de conneries. Donc, je peux t'acheter. Je peux te vendre plein de conneries aussi, hein, en retour. J'ai déjà acheté ça. Je t'achète les trucs de base, on va dire, les trucs que j'utilise le plus souvent. C'est dit ça, c'est un couteau ça? Ouais, un couteau. Je pense pas qu'on peut se servir de ça pour se battre. Mais... potion, est-ce que t'as des potions de guérison de... qui augmente la force? C'est surtout pour ce genre de conneries qui sont... qui c'est utile. Ouais, vas-y, donne-moi tes flèches. Hein. Ouais, vas-y. Alors, moi, je te vends. Ça m'a étonné. Bon, ça je garde. Non, 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 attends, ça coûte 5000, bordel, je vais pas te... Voilà, je te vends ça, oui, les deux. Tac, voilà, ça réduit, c'est logique. Une petite perle, les diamants. Boum, magnifique. Est-ce que j'ai été... Oh bah j'ai tout plein de trucs de sorts que je me sers pour, donc c'est magnifique. Oh bah j'ai plein de conneries ici aussi. Cette ture de camp, ça a l'air 100, vas-y, prends. Je prends. J'ai pris tellement de conneries, moi. Bracelet, point. Valeur 7, pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, ça c'était déjà mieux. Mais je te le vends parce que je m'en sers pas. Regarde santé, ouais, ça... ouais, c'est jamais. Ouais, vas-y, prends les deux. C'est cadeau, c'est cadeau. Amulette de lumière, oui, ça je voulais le garder. Camélon, non, camélon, ça je garde. C'est une source, ça je te le donne. Bah, je te le donne, je te le vends plutôt. Ouais, foudre, dégâts, foudre. Personnalité 1. Qu'on a 20. M'en branle. Niveau potion, potion, potion. Ouais, ça c'est intéressant. Potion de volonté. Bon, je vais garder les potions. En revanche, je vais te vendre ce genre de conneries là. Pourquoi je les ai pas donné? Là, je te vends tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer? Bah, je récupère en fait les trucs qui se vendent cher pour dire de pouvoir les revendre plus tard. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, allez. Je vais être honnête vu que tu m'as. Bah, honnête, je vais être sympa vu que. Je pense ça. Voilà. Voilà, je te... Magnifique, normalement là t'as plus de fric. Magnifique, c'est... J'ai bien... Voilà. J'ai été gentil sur ce coup-là, hein. C'est quoi ce que ça dit? Ouais, bon. Salut toi. Tu vends des trucs? Non, c'est pas étonné. Ah, blabla, au revoir. Salut. Obligé d'aller derrière pour faire ce genre de trucs. Musique de baston. Qui m'attaque? Qui m'attaque? Bon, allez, est-ce qu'il y a... Il doit bien avoir un bateau quelque part. C'est bien de pouvoir sprinter non-stop maintenant. Hein. Ben, maintenant, il y avait... je pouvais appuyer sur le bouton, mais je me servais jamais. En fait, c'est pratique. Il y a mon endurance qui en prend un coup, par contre, là, oui. Ah oui, ben, en partant de... Vu que j'ai acheté des marteaux, autant profiter. Hop! On répare, on répare, on répare. Je préfère réparer souvent. On sait jamais. Ouais, forgeron, plus 1. Voilà, magnifique.
Voilà. Salut. Voyager, oui. Balmora, c'est justement là que je dois aller pour pouvoir continuer l'aventure. Pourquoi marcher quand une monture est disponible? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne fais que le dire. Alors, direction, monsieur Caius. Caius, j'arrive, mon petit Caius. Caius, j'arrive, mon petit Caius. Caius, pupus, hop. Bonjour, monsieur Tenu. Tu fais toujours peur, toi, hein, c'est un truc de fou. Si vous souhaitez me parler, je considérerais cela comme un privilège. Eh ben, dans ce cas-là, bonjour. Entraînement, tiens, qu'est-ce que t'as comme entraînement, toi? Combat sans armure, combat à main nue. Ouais, magnifique, tiens, je vais prendre ça. Juste pour dire d'augmenter un petit peu un talent de temps en temps, quoi, pour pouvoir augmenter de nouveau. Ah, j'ai même pas lu ton mes ordres, excuse-moi. J'ai bien réfléchi à la situation et je veux que vous interrogiez trois de nos informateurs de Vivec. Non, pas Vivec! Concernant le Nerevarin et la sixième maison. Ouais, j'ai déjà commencé mon travail de la sixième maison, j'en ai bousillé quelques-uns, c'était rigolo. Allez d'abord voir Ranir. Oh putain, encore des noms à la con. Bon, bout de papier. On sait jamais, hein. Oui, on sait jamais ce genre de conneries. Voir alors. Je sais que ça va être écrit dans mon journal, mais on ne sait jamais, parce qu'à chaque fois, il note pas toujours tout, et ça me casse les noix à chaque fois. Donc, Adimarin, une cagite. Donc c'est bien, ça va être une petite cagite, et nickel. Là, vu que je suis un cagite aussi, je pourrais la draguer, peut-être que ça marchera mieux pour se tirer des informations de la guide des voleurs. En plus, je suis en fait de partie, c'est magnifique. Ensuite, allez trouver Uleia. Putain, pourquoi ils ont toujours des noms à la con, comme ça? Uleia, voilà. Un argonien. Non, mais j'aime pas les argoniens. J'aime pas les lézards. L'argonien de la Moracton. Bon. Enfin, entretenez-vous avec Ramilo. Milo du scorpion. Chevalier d'or du scorpion, c'est ce que je viens de dire. Alors, une prêtresse du temple, c'est pas du tout ça. Donc, on va mettre temple. Hein. Là, tenez, je vous ai tout précisé par écrit afin que vous n'oubliez rien. Putain, trop. Mais je l'ai noté. Bon bah j'ai noté un bout de papier pour rien, c'est pas grave. Et voici 200 trecs pour vos dépenses. Oh merci. C'est parti de votre inventaire, machin, bidou. Oui, ok, j'y vais, l'ami, salut. Ah, Vivec. Mais avant, tout d'abord, allons voir les marchands ici. Peut-être que je vais vendre. J'ai encore des trucs à vendre, moi, non? Ouais, j'ai toutes ces conneries. Là. Oui, j'ai des trucs à vendre, on va les vendre. Oui, on va les vendre. Salut les amis. Salut. On va les vendre des trucs. Ouais, j'allais retourner là-bas pour essayer de jouer la clé, mais à chaque fois je me fais baiser, donc Oui, c'est vrai, il y a des coffres intéressants ici. Coffre avec des trucs de guérison. Voilà. Ah, l'arnaque. Oh. Voilà, j'ai retrouvé. Ça s'est pas rempli depuis la dernière fois. Bon, je me casse. Et là, j'imagine que c'est pareil. Toc toc. Bonjour. Entraînement. Voulez-vous une autre mission? Non, pas encore. Non, venez. Oh, mais t'es une connasse, toi. Ah ah. Salut. Bon, bah tant pis, je me casse. Je reviendrai une autre fois. C'est l'arnaque ici, ils remplissent pas leur coffre. Alors, je vais commencer par vendre mes conneries ici, parce que c'est justement là où ils vendent. Où il prend tout. Il prend absolument tout. Toutes les conneries que je peux lui vendre à lui. C'est pourquoi vous. Armes d'Edric. Ouais, comment vous dites que ce ne sont pas des armes d'Edric? Non, vous avez raison. Non, vous avez raison. Mais Ravir n'est pas un menteur quand vous souhaitez les armes démoniaques. Diabolique ou fléonène de machine deviennent aussi acérées que tes armes d'Edric, oui. Et aussi légères que les poches de Gad, nanana. Leur magie ne dure pas longtemps, mais bien assez pour transporter n'importe quelle armure. Achète directement au Tamana, vous ne trouvez pas moins cher à Palmora. Ouais, en fait, tu vends pas du tout d'armes d'Edric, quoi, dans tes.
T'es un menteur. Shuriken en argent, ouais, j'en prends deux. Ça sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Ok, t'as que dalle, toi, c'est quoi ça? Pièces d'Ouémer. Oui, bien sûr, je vais te vendre, mais je vais t'acheter tes pièces d'Ouémer. Et puis quoi encore? Bon, je vais te vendre les conneries qui me soient là, ça. Regain de sang, de chance. Volonté, vas-y, on prend. Camion, je prends, je garde. Lumière, on sait jamais. Sanction. Ah oui, ça coûtait cher si je voulais le vendre, ça. Regain de santé, ça c'est toujours bien. Alors, bon. Alors. Eh oui, c'est les sorts débiles que je vais vendre. Guérison du fléau. Ah, j'avais un sort. Qu'est-ce que je peux vendre comme connerie? Regain de santé, c'est toujours servir. Réduction de personnalité, prends. Regain de santé, 2 points, on vend. Intelligence, c'est quoi ça? Ouais, son d'agilité. Oh là là, vas-y, on voit. Réduction de force, on voit. Oui, je sais même pas mon service. Acrobatie 2000. Ah ouais, c'est le petit. C'est la carte que. La carte. Je vais le garder, je m'en servirai une fois juste pour la déconne. C'est au tout début du jeu, je l'avais gardé. Pour, je vais m'en servir une fois, tiens. Ouverture 100 points. J'écoute ça. J'ai pas vu ça. Alors, intervention divine perso. Ouais, bon. Fortifier, intelligence, c'est toujours servi, on sait jamais, hein, pour la magie. Bouclier de foudre, je te le vends. Vulnérabilité au feu, dégâts. 1500 points sur du. Oh, tant pis, je te vends ça, je t'envoie. Je te vends un truc comme ça. Oh là là, le bruit. Vends. Tout ce genre de trucs. Appel à squelette, ça j'aimerais bien servir une fois pour rigoler. Dégâts de santé, dégâts de foudre, paralysie. Bah, vu que je me sers pas de tous ces sorts, je vois pas vraiment intérêt de. Prendre tout ça quoi, c'est. On sert pas. Allez, vas-y, et j'augmente jusqu'à 550. Parce que faut pas déconner, hein. Voilà, merci. Bon, j'ai déjà. Ouais, je suis plus léger. Et alors, direction Vivec. Non, je vais pas aller à Vivec. J'aime pas cette ville. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais moi non. Je me filtrerai pas parce que sinon. Alors, salut! Est-ce que tu peux amener à Vivec? Merci l'ami, t'es gentil. Bon, on va essayer de pas se paumer. Nous faisons le trajet juste pour vous et le prix reste toujours aussi bas. C'est gentil. Mais heureusement que dans les prochains, il y a le déplacement rapide, ce qui est beaucoup mieux. Ah tiens. Logo de Skyrim. Alors, Vivec, mais voici. Donc maintenant, il faut que je me démerde pour trouver le chemin. Par chemin du messager, c'est pour ça. Voilà. Le texte suivant est un condensé des notes préparées par Caius pour résumer votre mission dans la cité. À Vivec, cherchez 3 personnes et arrangez-vous pour qu'elles vous disent ce qu'elles savent du culte de Nerevarine et du culte de la 6ème maison. Chacune de ces personnes me doit une faveur, elle devrait se montrer coopérative. Elle devrait, ouais, j'en doute. Adirinar et Khajiit, agent de la guilde des voleurs. Il ne sera pas aisé de la trouver, mais demandez dans le quantum de Saint-Holm. Les gens s'offensent facilement à Saint-Holm. Faites donc attention à ce que vous dites. Une fois, un peu de courtoisie, quelques pièces. Ah oui, d'accord, pas étonnant qu'ils m'ont donné 200 pièces d'or là. Et petite faveur, vous permettront de la trouver. Bon, on va commencer par elle. Donc, Saint-Holm, c'est où Saint-Holm? Saint-Holm, voilà, ici. Là. Donc, ouais, on va se démerder pour essayer d'avancer. On va essayer d'y aller à Saint-Holm. Ça me changeait un petit peu de faire des missions de la quête principale parce que j'en ai pas fait des masses hein, et il faudrait quand même que j'avance, que ça fait quand même pas mal d'épisodes que je suis sur ce jeu et j'ai quasiment rien fait, ce qui est un peu dommage.
Alors... Bah j'ai pas... Comment j'ai rien fait, ça va, j'ai quand même bien avancé, mais niveau niveau mission principale, la quête principale, j'ai pas fait grand-chose. Là, oui, je l'avoue. Voilà, donc là, il suffit que j'avance tout droit et je serai au quantum. Donc je vais aller tout en haut, parce que c'est toujours en haut qu'il faut aller, par du temps. Salut! Quelqu'un bien précis, non, on va aller... Vivek, l'arène, c'est pour là que je veux. Voilà, là, c'est le quantum, normalement. Ouais, c'est où quantum? C'est à gauche ou à droite alors? Oh là 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 là. Non, je m'énerve pas, non? Oui, je suis bon! Alors, on va tout monter tout là-haut. Vas-y, 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 vas-y. Tu y es presque mon coco. On peut pas monter plus haut? Si, il doit bien voir, tout peut monter encore plus haut. Il y a toujours un dernier étage. Logiquement. Ah là! Ah là, qu'est-ce que je disais? Tac, 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 salut! Ah! Bonjour, je cherche quelqu'un. Radimi. Non, c'est pas là. Niveau supérieur, Zatom, c'est pas là. Bonjour. Ah, guérison de vampirisme, je suis pas vampire donc pour le moment, donc ça devrait aller. Ah, ça commence, ça commence, ça commence. J'aime pas cette ville. Non, je peux te parler à toi parce que je sens que je vais me faire voir. Je suis bien. Putain. Bon, on va descendre, on va aller là. Je suis au bon endroit là, normalement. Là, je suis au bon endroit normalement. Bonjour, monsieur. Oh, magnifique. Je cherche une amie, une cagée nommée machin. Savez-vous où vous pouvez la trouver? Ah, machin. Oui, elle se nomme Adonia et c'est une cagite, savez-vous? Plus à trouver, excusez-moi, j'ai l'affaire. Qui a-t-il? Bah, je la cherche aussi en fait. Je vois bien. Peut-être que quelqu'un d'autre saura me renseigner. Elle doit être dans le coin, hein, elle doit être dans le coin. S'il y a un mec qui la cherche, c'est qu'elle doit être dans le coin. Oh, le détérieur, non, c'est pour être là. Oh là 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 là. Où est-ce qu'elle est? Oh, allez. Moi, oh, faut passer, on va bien voir. De toute façon, je sens que je vais aller la chercher dans un prochain épisode. Hein, parce que. Allez, on s'est parti. Putain, pourquoi c'est. Je suis obligé d'aller tout en bas pour pouvoir voir si c'est bien. Zou. Alors, marchandise, est-ce que tu vends des trucs intéressants, toi? Non, que dalle. Bon, tant pis. Au revoir. T'es quoi, tu vis en quoi, toi? Non, toi, on s'en fout. Hop, salut. Bon, eh bien, je vais arrêter cet épisode ici. Et je vais chercher cette cagite dans un prochain épisode. Et je sens que ça va prendre des plombs. Mais bon, c'est pas grave. Salut, toi, est-ce que tu la connais, la madame? Quelqu'un de bien précis? Non, c'est pas ça que je cherche. Ra, ra. Se soigner. Non. Bon. Eh bien, je vais arrêter cet épisode ici et chercher dans un prochain épisode. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook et de parler de nous autour de vous. Et je vous dis donc à un prochain épisode pour la suite de Morrowind et la recherche de cette cagite. Salut tout le monde!